Clara Luciani se confie sur cette maladie qui affecte son quotidien. En février dernier, Clara Luciani a annoncé une grande nouvelle pour ses fans, son retour en studio. La chanteuse s'était en effet éloignée de la scène et de la chanson pour se consacrer à sa vie de maman, après avoir donné naissance à son premier enfant en septembre dernier. Mais en 2025, Clara Luciani ira de nouveau rencontrer son public français lors d'une nouvelle tournée. Un grand événement au cours duquel elle devra concilier avec les symptômes de sa maladie, parfois très gênants. Peu le savent, mais Clara Luciani est atteinte d'un trouble neurologique parfois confondu avec la maladie de Parkinson, le tremblement essentiel. Elle avait expliqué « C'est héréditaire, ma mère a ça aussi. Je tremble toujours un peu et c'est accentué par le stress et la fatigue. » Elle précisait aussi « J'ai entendu dire que ce serait pire dans les années à venir. » Sa maladie est une source d'angoisse profonde pour la chanteuse. Elle peut entraîner des tremblements incontrôlables sur différentes parties du corps. Elle se rappelle des victoires de la musique. Quand j'ai été nommée, je n'endormais plus la nuit. Je m'en foutais de perdre ou gagner. C'est l'exercice de chanter dans cette grande soirée qui me traumatisait. J'en tremble affreusement. Je suis légèrement angoissée par les victoires de la musique. La chanteuse a trouvé une solution pour que ces tremblements ne se remarquent pas sur scène. Pour les concerts, j'utilise un micro avec un fil que je tiens des deux mains et ça m'équilibre.